Será mi marrocelo, será mi norase, para mi nora infrosia, será mi malo que lo surme. Regardez. Look. Il y a un homme derrière là-bas qu'on appelle Martin. Je veux qu'il vienne. Là-bas. Martin, À ma droite ici, au fond là-bas. Yes. Martin, il est Martin, où? Martin. Qu'il vienne. Let him come. J'ai une parole de Dieu pour lui. Qu'il I've vienne. Got a word of God for him. Il est où? Where is he? Qu'il vienne. Let him come. Woo! Jesus. On s'appelle comment? How do we call you? On s'appelle comment? How do we call you? Martin Kong. D'accord. Ok. Yes. Vous me connaissez quelque part? You know me somewhere. Hein? Non, papa. Regardez. Look. Vous êtes marié? Are you married? Votre femme est où? Who is your wife? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Laissez dire quelque chose. Let me tell you something. La Nessie. This year. Préparez-vous. Vous avez trop pleuré. You've cried a trop lot. Méprisé par so votre famille. À l'heure où je parle, vous êtes rejeté. Votre vie est complètement bloquée. Complètement bloquée. Je vous ai vu dans une église où vous avez quitté pour venir ici. Avec beaucoup de problèmes là-bas so aussi. Parce que vous êtes incompris partout où you vous allez. Combattu partout où vous êtes. Regardez l'homme-ci. Il y a Inna Elos Cross. Dieu m'a dit de vous dire. God told me to tell you. Parce que vous avez beaucoup prié. Je vous connais. Non. Ok. On a déjà causé un jour. Have you ever spoken? D'accord. Hier soir, quelque chose s'est passé. Yesterday night, something happened. Vous étiez chez vous à la maison. You were at home. Et vous étiez assis et vous méditiez sur votre vie. Meditating on your life. À 19h exactement. Vous étiez en train de méditer sur les événements de votre vie. Et votre téléviseur était allumé. Parce que Dieu m'a amené dans votre maison. Je vous ai trouvé, vous étiez assis au salon. Et il y avait un téléviseur. Il y a un téléviseur sur un petit meuble. Et vous étiez en train, le téléviseur était allumé. Et vous étiez en train de méditer. Et vous aviez la Bible ici entre vos mains. Vous étiez en train de lire la Bible. Et vous lisiez la Bible. Et vous réfléchissiez sur votre vie. Vous pleuriez dans votre cœur. Votre femme ne comprenait pas ce qui se passait. Mais vous étiez en train de vous demander. Jusqu'à cet âge, je n'ai rien fait. Jusqu'à cet âge, ma vie n'a rien produit. Est-ce que je vais mourir sans laisser un héritage? Et ça, c'est ça. Vérité. Et votre Bible était ouverte. Yes. Sa Bible était ouverte. His Bible was open. Attendez. Sa Bible était ouverte. His Bible was et vous étiez en train de lire le livre de Jean. Yeah. Vous étiez en train de lire le livre de Jean. The book of John, au chapitre 14. Chapter 14. À partir du verset 1. Verse 1. Ça, c'est le passage the que vous étiez en train de lire hier. You are reading yesterday. C'est ça. D'accord. Maintenant, écoutez. Now, pendant que vous étiez en train de pleurer dans votre cœur, un ange du Seigneur était dans votre maison. Il était derrière vous, derrière votre petit canapé. Il était derrière. Et il entendait tout ce que vous disiez. Et l'Éternel m'a dit de vous dire, cette année, à partir du mois de juin, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, dans votre vie professionnelle. Dieu va vous bénir. God shall bless you. Vous me suivez? Amen. You understand? J'ai vu quelqu'un qu'on appelle André. I saw someone called André. Hein? André c'est qui? Who is he? André c'était un ami. André c'est qui? Who is he? André c'était un ami. Il est où maintenant? Who is he now? Je ne sais pas la douleur. Regardez. Look. Vous savez? You see. Zamana, André était un ami à vous. André was a friend to you. Qui était comme un frère. As a brother. C'est quelqu'un que vous preniez comme un frère. We're taking him as vous a étiez brother. Bien avec cet homme. With this man. Et c'était quelqu'un de bien. He was a good person. Et il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque d'André que vous But ne connaissez pas. At the time of André, je vais vous dire ça. I will tell you that. Parce que vous aviez André et Alain qui étaient vos amis. Alain. Hein? Oui. Alain est où maintenant? Où est Alain? Il est au PK 14. À PK 14. On l'appelle comment? Alain. On l'appelle comment? Alain. Alain. Yeah! Jesus! Jésus! À l'époque où vous étiez avec André, André avait une copine qu'on appelait Adèle. He had a girlfriend called hein? Adèle. Il avait une copine, une amie qu'on appelait Adèle. A friend
Et ils ont eu des problèmes avec Adèle. Et lorsqu'ils ont eu des problèmes avec Adèle, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes intervenu dans cette affaire. Et vous avez parlé. Et le Dieu des cieux vous a écouté. Et vous avez parlé à Adèle. Vous lui avez donné des conseils. Vous lui avez parlé. Et puis vous avez parlé. Et puis vous avez parlé. Et Dieu vous a écouté. Et vous étiez comme un homme de paix. Vous avez aidé que la paix soit rétablie. Et Adèle a été bénie. Elle a écouté vos conseils. Ça n'a pas marché avec André. Ils se sont séparés. Et à cause de vos conseils, Adèle est partie. Et elle s'est mariée aujourd'hui. À cause de vous. Vous savez où elle est maintenant? Do you know where she is now? Hein? Non. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? For how long? Ça fait peut-être 8 ans. 8 ans. 8 maintenant, years. Regardez. Now look. Cet homme, this man, le Dieu des cieux m'a dit, the God of heaven told me, regardez. Look. Dieu vous aime. God loves you. Bienvenue. Welcome. Bienvenue. Welcome. Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose de très dangereux. Une fille qu'on appelait Mireille. A girl called Mireille. Et qui était une fille que vous aimiez. And you loved her. Et qui vous aimait aussi. And she loved you as well. À l'époque. Et vous avez eu des problèmes avec elle. En tout cas, c'est vous qui l'avez abandonnée. Vous l'avez rejetée. Et Mireille fâchait contre vous. Et allait quelque part. Et elle a rencontré un marabout qu'on appelle Kaka. A witch doctor called Kaka. Avec votre nom et votre photo. With your name and your picture. Vous me suivez? You suis papa. C'est pour ça que votre mariage ne marche pas bien. That's why your marriage is not working well. Yes. C'est à cause de Mireille. Parce que vous lui avez dit, c'était comme une fiancée à vous. J'ai dit une fiancée parce que vous lui avez parlé de mariage. You told her about marriage. Hein? Vous lui avez promis. You promised, mais vous n'avez pas tenu. You did not fulfill. Vous l'avez quitté. You left her. Et elle est partie avec votre nom. With your name et votre photo. And your picture. J'ai un marabout qu'on appelle Kaka. Called Kaka. Vous savez où Mireille est? You know where Mireille is. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? How long is separated? Ça fait 12 ans aujourd'hui. 12 ans, on l'appelait comment? Mireille. 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 Oh yes! Woo! Wonderful. Maintenant regardez. Now look. Le Dieu des cieux va vous faire du bien. Demandez-moi pourquoi. Ask me why. Vous avez un ami qu'on appelait Benjamin. You have a friend called Benjamin. Hein? J'avais votre ami qu'on appelait Benjamin. You have a friend called Benjamin. Qui était un gars, un jeune homme, juste devant l'Éternel. Righteous et qui a beaucoup prié pour vous. And prayed a lot for you. Benjamin a prié pour vous 7 jours. Prayed for il a d'abord fait un jeûne de 3 jours pour he vous. Après, il a fait un autre jeûne de 7 jours. He fasted 7 parce qu'il a vu you. Comment vous étiez en train he de souffrir. You were suffering. Vous savez où il est maintenant? You know where he is. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? For how long is separated? Après, quand je suis tombé malade, j'ai fait 2 ans de maladie, je ne me levais pas. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Très longtemps, papa. On sait seulement quoi. Il était dans un taxi. Ici, à nos côtés. On l'appelle comment? Benjamin. Benjamin. On l'appelle comment? Benjamin. Benjamin. Yes. Vous êtes sûr qu'on n'a jamais causé? Jamais sure causé. Vous êtes sûr? Oui. J'ai fait comment pour connaître tout ça? How do I get to know that? C'est l'Esprit de Dieu, papa. Je vous donne un signe pour que vous sachiez que la parole de l'Éternel dans ma bouche est éprouvée et qu'elle s'accomplira. À l'heure où je parle, vous êtes malade. À l'heure où je parle, vous êtes malade. J'ai été papa. Hein? J'ai été malade. Attendez. Wait. Vous aviez été malade, c'est ça? Moi, je vous dis que vous êtes malade. I say you are sick. Yes.
Il dit qu'il a été malade. Moi je lui dis qu'il est malade. I say he is. Présentement. Presently. Il y a une maladie en vous. There is a sickness in you. J'ai vu un carnet de santé. J'ai vu écrit sur ça chlamydia. I saw chlamydia. Alors je parle right sur now, vous. On you. Mm. Vous connaissez une maladie qu'on appelle la chlamydia. You know a sickness called. Hein? Non. Vous n'avez jamais entendu parler d'une maladie qu'on appelle chlamydia. Allez à l'hôpital. Hein? Tu vas pas. Allez à l'hôpital. Demandez qu'on vous fasse le test de la chlamydia. Ask for a chlamydia test. Vous venez avec. Come with it. Afin que vous croyez qu'il y a des prophètes dans ce pays. Yes! Allez le faire. Go and do it. Retournez dans votre centre. Votre centre médical. Your medical center. Allez chez votre docteur. To your doctor. Retournez chez votre docteur. Go back to your doctor. Monsieur Clément. Dieu Clément. Allez le voir. Yes! Retournez chez le docteur Dieu Clément. Dites-lui que le prophète Ferdinand et Canet vous a demandé de venir faire le test de la chlamydia. Ask me to make the chlamydia test. Vous apportez le résultat. And bring the result. Dis-leur que je suis revenu plus dangereux qu'avant. Yes! L'année-ci, this year, cette année, this year, le Dieu des cieux the God of va vous relever. Will uplift you. Il y a une bénédiction qui est en train de venir devant vous. Ahead of you. Vous me suivez? Amen, papa. Et Dieu vous donnera beaucoup d'argent pour consoler votre cœur à cause de votre amour pour lui. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Woo! Jesus!